Coucou, bonjour. C'est la PDG dont je suis en train de faire un repas camerounais. Ça, les... Voilà. Ça s'appelle le coq. Je suis en train de faire le coq. Alors, pour faire le coq, tu as besoin de ton légume qui on appelle le... Les feuilles, là, on appelle ça même que comment? Le coq, non? On appelle ça le coq. Ça, c'est le coq. Je suis en train de faire le coq. Donc, je suis en train de faire un repas qui s'appelle le coq. Voilà. Vous savez qu'une femme, c'est la cuisine. Donc, quand vous finissez de travailler sans salaire, il faut savoir que la reine-mère, quand elle finit de faire l'ombrakata, elle vient, elle s'occupe de la maison. Ça, c'est le coq. C'est pas encore cuit. Quand tu fais revenir le coq dans l'huile, tu fais revenir ton coq jusqu'à tu sens que c'est déjà bien mou. Voilà. Fais le noix. Ouattalif. Ce n'est pas le ouattalif, ma soeur. Ça, c'est le coq. C'est le dur, dur, là. Le ouattalif encore. Le ouattalif, vous faites quoi? Est-ce qu'on fait le coq avec le ouattalif? Ça, c'est le coq. Ce n'est pas le héros, c'est le coq. Donc, pour faire le coq, tu as besoin de faire revenir dans l'huile comme ça. Tu fais d'abord revenir ça dans la marmite. D'accord? Tu fais ton coq comme ça. Tu as besoin du mbunga. Je vous montre. Hein? Bon, pour faire ton coq, tu as besoin de l'huile rouge qui est là. Tu as besoin du mbunga. Le mbunga, c'est ça. Vous connaissez ça, non? C'est le mbunga, tout ça. Tu as besoin de ton mbunga. Tu as besoin des njanga, les manjanga. Tu as besoin du piment jaune qui est là. Tu as besoin de mettre un peu d'ail. Bon, la viande est déjà là. Voyez, il y a tout. La viande est là. C'est en train de bien. J'ai mis d'abord dans l'eau, hein. Tu mets avec la peau qui est là. Tu fais la viande. Yenoga. Donc, tu reviens. Vous les femmes là, pour garder un homme sur le ventre et le... Ouais, c'est qui coupe mon direct comme ça, non? Ma soeur, tu ne vois pas que ta soeur est là en direct là. Voilà la vidéo qu'on veut. Moi, je vous montre tout. Donc, ça, c'est le coq. Je suis un peu... Mais les escargots, ma star. Je vais prendre les escargots où? Donne-moi, non. Tu fais comme ça. Voilà, tu fais revenir la reine-mère. Écoutez, la PDG, d'abord, c'est une femme au foyer. C'est une femme, voilà, c'est une femme qui mérite seulement le mariage. Tu fais ça, ne brûlez pas les marmites. Vous voyez que je suis en train de cuisiner. Je surveille, hein. Je surveille ma marmite. Pas comme vous, tu fais comme ça. Entre-temps, ce que tu fais, je suis une bonne femme. C'est pas parce que je ne trouve pas le mariage, ce n'est même pas que je trouve pas. Je ne cherche pas. Mon boxeur est au chaud, il m'attend dans le congélateur. Donc, tu fais ça. En fait, si vous voulez, le piment jaune, c'est bien. J'aime bien jeter le piment parce que le piment, regardez l'heure qu'il est. Il est 10h ici. Hein. Il est 10h25. Voilà l'heure. Ok? Il est 10h25. Voilà l'heure. Hein. Où sont les arachides grillés? Ma chérie, tu veux préparer la... C'est pas le coq des Bamileke, hein? L'arachide grillé, c'est pas le truc des bananes là. Comment les bananes appellent ça là? Les mbamois là. C'est pas que les mbamois. C'est pas le genre là. On met pas l'arachide grillé quand même. Ben oui, tu mets pas les arachides. Voilà. Les filles, ça faut savoir qu'une femme, c'est d'abord la... Une femme, c'est son intérieur. Ah, il est 16h là-bas. Hein? Ok, ici, là, il est 10h26. Là-bas, il est 16h. Regardez, il est 10h26. Donc, une femme, c'est son intérieur d'abord. Une femme doit savoir que même si tu manges au restaurant, n'importe comment. Pardon, il y a un truc là que j'ai vu. J'enlève avec le doigt. Désolé, hein, c'est le ça. Vous voyez, non, le petit bâton là.
J'ai vu ça là-dedans. Une femme, c'est son intérieur. Une femme, c'est ça, quoi. Un homme, même si tu amènes au restaurant, même les milliardaires cuisinent, hein. Bon, c'est pas toutes les milliardaires qui cuisinent, mais quand même, voilà, il y a quand même les hommes qui aiment aussi que leur femme, même s'ils sont milliardaires, ils ont envie que la femme aussi ait fait à manger. Vous voyez, c'est pas les femmes de ménage. Des fois, l'homme a besoin que sa femme mette la main dans la pâte, quoi, de manger ce que sa femme a fait, même si vous avez des gouvernantes et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Patricia dit, c'est quoi que tu prépares? Je prépare le coq. Je fais revenir parce que comme c'est trop dur, quand tu fais revenir dans l'huile, après ça devient un peu... Et quand je cuisine, je regarde un peu, c'est les petits bâtons là. Tu vois, non? Parce que quand on coupe ça, vous allez dire pourquoi tu enlèves avec les mains, mais bon. Parce que tu vois le bâton là. Ouais, Annie Girardeau, c'est comment non, ma soeur? Mon oui là, c'est comment non? Ce n'est pas encore retourné. Hein, ma soeur? Donc, c'est le coq. Contenait de femmes, la reine, mais ouais, ne voyez pas comme je rigole sur Facebook là. Je suis une femme d'intérêt. Vous pensez que le boxeur signe derrière moi, pourquoi? Le boxeur me yarde, moi, pourquoi? Je suis une bonne femme, c'est que je suis têtue. Hein. Mon problème, c'est Facebook seulement que le boxeur me reproche. Que tu aimes Facebook, quitte. Ce n'est que ça, mais en dehors de Facebook, il me reproche rien. Hein. La binda, je n'ose d'où? Tout, je n'ose. DG Junior te salue. Hey, ma DG, je suis là chez toi, non, ma chérie. Bonjour, la DG Junior. Love you too, baby. I'm the United. Je demande, wherever, wherever. Elle ne vient pas me saluer. C'est comment? Je suis dans son territoire. Anyway. Mais, tu es ici à DC, non? À Maryland, non? Je suis passé devant ton magasin 99 cents avec Ross. Wherever, wherever. C'est rare, non, ma soeur. Je suis dans ton territoire. Je suis même passé devant ta boutique. 99 cents avec Ross. Je suis passé. Pardon, moi, je n'entre pas à Ross. Je n'entre pas à 99 cents. Quand je suis aux États-Unis, si vous voulez, je vous montre là où j'achète mes trucs. Pardon, je n'entre pas dans les magasins que 99 cents avec les Ross là. Là où il y a le 99 cents, moi je ne suis pas dans les histoires de 99 cents. Bon, comment je vais faire là? Je voulais vous montrer comment ce que je vais mettre maintenant. Donc, comme j'ai fini de faire comme ça, regardez bien. Maintenant, je vais mettre l'eau. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer. Je ne peux pas dans la macocotte. Il y a les mamites en bengue. Mais ça, c'est fausse ma cocotte. Hein. Ça ne pèse pas. Je sais, maman, je suis loin actuellement. Tu es où actuellement? Vous êtes toujours comme ça. Wherever. Je suis passée devant 99 cents. Maman, les Américains, non. Attendez, mais comme ça. J'ai mis le soutien-gorge, pardon. C'est comment là-bas? C'est un peu... Je vous montre. Je suis passée devant 99 cents. Bon. Bon, après tu mets l'eau, hein, ma copine, hein. Attendez, mes copines là. Tu fais ça, tu mets l'eau, hein. Tu mets l'eau. Tu bouges parce que ton coq doit cuire. Ça dure au feu, hein. Attendez, je vous montre. Parce que le coq doit cuire. Donc tu mets l'eau, tu finis de faire comme ça, là. Attendez, je vais mettre ça où? S'il vous plaît, pour baisser le feu, comme ça en anglais, on fait comment? Pour l'anglais, quand c'est le... Pour baisser le feu là. Attendez, je mets comme ça. Pour baisser le feu, on fait comment? On appuie sur quoi, s'il vous plaît? J'ai envie de baisser le feu. On appuie sur quoi? Hein? Bon.
Dans le coq là, tu mets bien l'eau. Parce que ça va bouillir, ça va cuire. Il godonne. Il faut que ça cuise bien. Hein. Quand tu as fini, tu mets les arachides après. Hein. Les arachides, c'est pas là que tu mets les arachides. Là, 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 non. Il faut que ça boue d'abord bien. Je vais mettre les oignons. Ça boue d'abord bien. Ok? Eh, par contre, il ne faut pas qu'ils mettent aussi trop l'eau. Hein. C'est que le coq, ça doit durer au feu. Bon. En même temps, je vais jeter quand même deux piments jaunes. Car je mets deux ou trois piments. Je mets trois piments, hein. Hein? D'accord. Ton fils là, il mange les choses des noirs. Il mange africain, hein? Ton fils. Oui, mais là, ton le héros là comme ça. Il ne mange pas. Spaghettis. Il va manger les spaghettis, non? Il ok. Il essaye quand les trucs comme. Il peut essayer, mais de prudence, comme il y a les. Tu sais que les enfants de Mbeki, ils aiment trop. Parce que pour augmenter le feu, on fait comment, non? Ici là. Ici. Là, c'est là augmenter. C'est là augmenter. Le feu est fort là, n'est-ce pas? D'accord, j'ajoute encore l'eau. Non. Attends, ça boue d'abord, d'accord. Je peux d'amener le bunga. Parce que le bunga dure au feu. Hein. Oui, tu mets là-dedans. Bon, quitte à le pas dans la chambre, il prépare. N'aime pas quand il prépare. Je vois les gens à côté qui veulent me donner que on fait comme ça. Je n'aime pas. Le piment dans la sauce. Même le président Paul lui a dit que le piment dans la sauce. Vous avez là, vu ça. Bon. Ok. Voilà. Après, maintenant, vous avez le mbunga qui est là. Ok. Tu as le mbunga qui est là, ma copine. Le mbunga, c'est le poisson fumé. Ça s'appelle le tronkanda. La tronkanda avant poutanté. La tronkanda a dit poutanté. Tu prends ton tronkanda, d'accord? Le tronkanda, c'est ça. C'est ça, le tronkanda. En Amérique, il y a tout. Hey! Tu prends le tronkanda, c'est le mbunga. C'est ça. Tu prends ton mbunga. Regardez les filles, je vous montre. Hein. Je mets une bonne quantité. Ça peut que tronkanda. C'est le. Les femmes aiment goûter quand elles ne peuvent pas. Donc. Moi, j'aime quand il y a des obstacles. Quand j'ai fini le mbunga de ma soeur. Moi, j'aime quand même. Après, tu prends. Vous, les filles, quand vous préparez ça, nettoyer là, ils vous montrent. Vous commencez à nettoyer le poisson fumé. Hein? Mmh. Sale fille de Facebook. Tu prends ton poisson, regarde bien. Quand vous prenez, vous mettez dans la marmite sans laver. Tu prends. Voici le tronkanda, voilà le poisson. Tu fais comme ça. Regarde, tu fais ça. Tu ouvres comme ça. Les sales filles de Facebook qui ne savent pas cuisiner, tu fais comme ça. Voici ça. Je vous montre bien. Regarde, tu prends le poisson fumé. Tu fais ça. Tu ouvres. Tu enlèves ça. Ça, ça s'appelle les arrêts. Tu ouvres. Tu fais comme ça avant de venir insulter Fleur de Lys sur Facebook. Ok? Tu fais comme ça. Tu prends le poisson fumé. Tu casses comme ça en deux. Tu fais comme ça. Tu enlèves les arrêts. Tu retires les arrêts. Parce qu'il ne faut pas que tu sers la nourriture à quelqu'un. La personne ne peut pas manger parce que tous les arrêts sont dedans. Tu fais ça. Vous ne connaissez pas. Tu fais ça. Comme ça. Tu ouvres. Tu retires. Mais non, je vais laver. Hein. Mais on lave le mbunga, ma soeur. Vous êtes bête. On lave le mbunga. Vous êtes en bain. Vous aimez montrer que vous êtes propre. Depuis qu'on lave le mbunga, on lave le mbunga. Vous êtes trop bête. Quand tu laves, tu enlèves le goût. N'importe quoi. Vous voulez montrer que vous êtes trop propre. C'est trop propre. Hein? On lave le mbunga. Non, vous êtes trop. Vous ne pouvez pas laver vos maisons. C'est le mbunga que vous voulez laver. Ce n'est pas sur moi que vous voulez montrer que vous êtes propre. Vous êtes bien sale. Vous avez compris? Mmh. Tu
viens de manger sans laver. Parce que tu es une blanche. Je lave quoi sur ça? C'est pas que tu laves le goût pas. Tu me parles de quoi que laver le munga? Tu laves quoi sur ça? Vous aimez m'entendre. Parce que la saleté que tu as mangée jusqu'à ton âge au pays, là, ça m'embête que tu veux montrer que tu es trop propre. Pardon, laissez-nous ça, dis donc. Pourquoi tu n'es pas d'ail depuis à cause de la saleté? On vous voit bien, vous mangez les choses à vos pays, vous lavez. C'est sur fleur de lit que vous voulez montrer que vous lavez beaucoup. Depuis que vous êtes grand jusqu'au lieu, ça m'embête que vous voulez montrer la propreté. C'est sur mon Facebook que vous voulez montrer que vous êtes propre. La saleté que vous avez mangée au pays pour grandir là. Vous n'êtes pas mort avec ça, c'est en ben que vous allez venir mourir. Pardon, laissez les gens dire donc, allez faire votre propriété loin. Lave pas, tu laves le mbunga, le goût pas, ne lave pas. Il faut aussi laver le manjanga, tu as compris? Le njanga, il faut laver. Le manjanga, tu mets sur le couvercle de la marmite. Je vais vous montrer, vous êtes trop bête. Est-ce que vous connaissez même d'avoir préparé? Tu fais ça, ma copine, tu enlèves. Tu fais ça, tu enlèves. Pardon, je ne vais pas rater le 20h de ce soir quelque part. Tu fais ça. Non, ce n'est pas que j'ai la boue, c'est qu'il y a les gens qui aiment, c'est sur Facebook qui veulent montrer qu'ils sont propres. Ça, ça me fait rire. Parce qu'ils sont bien sales chez eux. Je connais le genre là. C'est pour qu'on dise que tu es trop propre. Pardon, laisse ça. On lave le mbunga quand? Depuis quand on lave le mbunga? Quand tu le mbunga, on enlève. Quand tu achètes le mbunga, tu enlèves les... C'est le poisson, l'autre poisson fumé là. On lave ça, c'est normal. Elles sont les trucs sur la tête. Mais ne me dis pas que le mbunga comme ça qui est venu bien emballé. Parce qu'on contrôle ici en Amérique. On t'a dit que c'est votre saleté du pays là. Vous savez pas qu'il y a le contrôle ici. Regardez bien comment s'emballer. On contrôle, on enlève tout. On vous a dit que c'est vos sales mbunga du pays là. Quand ça arrive à l'Amérique, on contrôle tout, nettoyer, emballer. Ce n'est même pas qu'un microbe est sur ça. Hein. Merde. Fleur de lit, vraiment, les gens aiment se mesurer à toi. Hein. Les ongles font comment, ma soeur? Maman, il y a le Golden Boy qui va passer tout à l'heure. Ah, tu fais comme ça. Il a l'anaconda, non? Donc, il faut préparer pour lui. Gordon boit anaconda. Le 20h est où, comment? Si tu viens en retard, c'est ton problème. Je ne veux pas reparler encore. C'est quoi? Je veux parler des mêmes choses toute la journée. Vous me payez pour ça. Wonderful. Attendez, je vais boire une bière, là. Oui, je vais faire comment pour sortir dans l'alcool? Hein? C'est qui? Maman, c'est ta belle-sœur. Salut là pour moi. Que tu dis que ta famille aime leur frère jusqu'à le feu sur ma soeur. Tu comprends ma soeur? Belle-sœur aime. Dis là, belle-sœur aime. Inkela. Eh, yeah. Il est pour la CIA. Ah, il est là à Washington. Il est là. C'est elle qui m'a fait les beignets là. Eh, maintenant, il y a un bon yé. Ah, il est long et gandak. Mais j'ai eu te. Il est là un bon go keki. Eh, si il y avait le tout. Ses cheveux sont les dresses. Tu ferais le souris, non? Une bombée sourire. Souris ni Makondo. Ni Mpele. Une bombée Mpele. Mpele, c'est bouillon, non? Bouillon. Bouillon avec le macabo, non? Avec la chèvre. Aïe. Aïe, oh, j'avale déjà la salive. Une loquée qui... Ah, tu passes ce soir? D'accord. Mais transport. Il a un Uber, gars. Mon Uber, c'est bloqué, là. Tu vois, si tu sors, tu vois, tu viens de prendre. William qui était là-bas.
Ok, tu voulais qu'on vienne? Non, j'ai dit que vous êtes un petit peu sur les coups quand tu veux sortir, c'est quand même qu'il y a pas de grammes. Parce que je suis au travail, la vie est finie, je vais un petit peu passer le soir. Ah, d'accord, ça marche. Mais je n'ai pas ouvert, si tu sors, il y a qui est là où tu es allé à son bureau, là, mais c'est bien. Ah, il y a Wanda Jong, hein? Non, c'est mon kiff. Ok. C'est une personne sexy. Hey, ouais, c'est la femme de l'oncle de la Mexicaine. Eh, d'accord, de Daniela. Du, ok. De Obian. Ah, ok. Obian, Georgia, elle est Mexicaine. Mexicaine, il y a Facebook. William est trop gentil. Non, il est trop gentil. Kinje, William. Il parle de Jordan. Ah, Jordan est. Ok, Magic Sister, Magic Benz. Magic Benz, ouais. Babi, bon, mais yom yani, ah. Yani, babi, quand même, les mêmes pamga. Mais bon, ma billet. Voilà, pendant que tu parlais des histoires de Molle, là, c'est elle qui connaît tout ça. Moi, je suis pas trop là-dedans. Et tout. Stéphane, merci, bébé. Comment tu ne jettes pas ta soeur quand elle va en mariage? Maman, merci. Comment tu gardes ma soeur? Maman, j'ai ma part là-bas. C'est aussi un bassin. Son nom, c'est le boxeur. Maman, il tape jusqu'à. Il tape. Maman, les bassins tapent les femmes. Non, mon mari ne tape pas lui. Maman, ton frère est le bassin le plus gentil que j'ai vu dans ma vie. Le reste là, c'est les coups de poing que vous voulez voir. Maman, les bombes d'ailleurs. Quand le gars te drague. Maman, ouais. Je te dis que. Maman, les bassins connaissent le travail de la binda. Les bindailleurs que non. Mais un gars te binda, tu perds connaissance. Comme ils sont d'abord racis comme le Mitumba, c'est clair. Tu connais déjà le Mitumba qu'on sait seulement sur le grignot au village là. Je te dis, maman, pardon, travaille là-bas. Oh. Il ne faut pas qu'on te chasse au travail. Non, pas chasser. Elle est manager. Ah, manager, tu es patron là-bas. Donc tu peux même venir manger ce midi. Hein. Ok, ça marche. Ah, c'est bien, les gars. Ah, tu avais la réunion. Il y avait les deux gars là-bas. Oui. Maman, depuis que celui-là, il n'est jamais binda. Hein. Maman, hein? Ouais. Non, je ne peux même pas binda ma soeur. Tu connais le genre que. Parce que j'ai l'impression que ce genre, je suis binda, ils vont aller me trahir. Tu connais le genre là, non? Quand c'est comme ça, non? Si je partais à New York là, je ne peux même pas. Tu vois un peu? Maman, je ne peux même pas binda, maman. Eh, hey, pardon. Tu binda, tu connais les Camerounais, non? Ils vont aller trahir. Maman, pardon, je vais m'enlever ça. Quand ils pensent à mon gars Bassa là-bas, mon cœur. Maman, il ne m'a même pas souhaité la Saint-Valentin. Pourquoi les Bassa sont mauvais comme ça? Hein? Ouais. Donc, mais si pour tes taux, tu es tombé derrière moi, que je suis derrière, parce que Eto est magnon. Il n'est pas vu qu'à l'aime, Eto habite même mon nez, habite même ton yom. Il y a même. Oui, Babi Kala a bitimé 15 000 euros. A bitimé Metoyom, c'est faux. Ce sont ces Nchinda, non, qui ont raconté le Mbrakata là. Je sais même pas comment te donner, le Mbrakata, je te dis. Ma soeur. En tout cas, invite Manyunga. Manyunga a bitimé seulement les teignes sur Facebook. Invite, c'est bien, Mandjodje. Invite, gars. Eh, gars. Ton, mais hein, l'autre que j'ai fabriqué, Manyunga. Ah, il y a une Espagne, il y a une Paris. Ah, oui, il y a une. Avec ma gazon, ils se sont alliés là-bas pour me combattre. Je te dis. Encore aller et tout, t'as bête ton yom. Encore aller et tout, il y a un traître. Mais c'est bien, il y a le Judas.
Aïe, mani, vous l'avez bon à la. Ok, tu ne comprends rien. Maman, je suis fille de Néobad, non, ma soeur. Quand tu me vois un peu trop, genre là, c'est que quand tu es derrière les bassins, là, tu es obligé de venir comment? Tu n'as même le comportement, leur comportement s'est entré dans mon sang une fois. Voilà. Tu connais un peu le genre là, non? Quand tu me cherches, je ne laisse pas. Ah, la bouteille de jus. Je croyais qu'il était bassin, non? C'est pour ça, vous voyez, ça en est dit, quand elle fait les ongles, elle devient plus grasse. Hein, ma soeur? Il parle bien. Ah, un peu bas sa longueur. Ah, ok. Ok, ok. Ok. Même tes mains, c'est béoué. Je ne peux pas me laver. Je vais me laver. Ok, je te repasse. Ta... On se dit à tout à l'heure. Bisous. Tu vas te laver. Vas-y, alors je te laisse. Tes femmes ont vu comment tu entretiens ta belle famille. Quand elles envoient leur mariage, ils jettent. Après, on dit qu'on c'est pas tous les bassins qui sont comme ça. Les bassins sont les galants. Quand tu tombes chez un bon bassin comme ton mari, là, c'est ça. On sait que tout le monde, c'est le boxeur. Le boxeur, il tape. Mais le boxeur, je le yamme, moi. Il tape pour rien. Comme tu es Vas-y, ma soeur. Les fans à deux balles, là. Vous me dites de laver le mbunga. Maintenant, alors, je vais laver. Tu parles bien bassa pour une fille bamileke. Vous voulez seulement que lave. Je vais me laver maintenant. Normalement, c'est à cause de vous. J'ai lavé ça. Normalement, je ne devais pas laver. Parce que quand tu laves, le goût part. C'est le bunga, ça boue avec ça, le coq là, ça va bouillir jusqu'à... Ça reste comme ça. Et quand vous cuisinez, vous lavez les choses en même temps, vous ne laissez pas tchac, les sales filles de Facebook là. Vous lavez les choses en même temps. C'est pas que vous laissez ça là rempli que les enfants vont rentrer de l'école laver. Vous lavez en même temps. Dis donc. Vous partez quand tu peux pas, tu laves les assiettes en même temps. Vous les filles de Facebook là, quand tu cuisines, tu laves les trucs en même temps. C'est pas que tu cotises, c'est pas que tu cotises, tu laves tout en même temps parce que vous êtes trop sale. C'est pour insulter Fleur de Lille que vous êtes. Non, c'est pour insulter Fleur de Lille, les travailleurs sans salaire. C'est ça là alors que vous êtes trop fort. D'accord? Voilà. Maintenant ta viande est là. Maman, la viande elle est congelée. Hein? C'est quand le coq là va bien baisser. Ma soeur, j'espère que ce n'est pas trop cuit. Hein? J'aime pas quand c'est trop cuit là. Voilà. La viande c'est déjà. La peau est déjà cuite. C'est déjà pré-cuit, la peau de viande là, de bœuf là.
Je vais vous montrer quand c'est déjà prêt. Maintenant. Il faut que j'appelle mon producteur, mon manager là. Kenny Production. Je l'appelle là. Très fatigué. C'est comment? Vous êtes encore là? Cam chérie, ma faux. Quoi? Ma faux. Je vais te recevoir. Tu vas voir. Comme je suis impeccable en. Ah, c'est cool alors les filles. Hein. Bon. Le sel, c'est écrit quoi sur ça? Sol, non? Sol. Sol. Ça, c'est le sel. Sol, non? Le sel, c'est écrit quoi sur ça? Et sol. Ne mettez pas le sel jusqu'à ça dépasse. Hein. On prépare, on met le sel, on goûte. Je ne suis pas amoureuse, donc. Bien, c'est le sel. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer quelque chose. Quand tu prépares, hein, tu fais les crevettes. Tu mets les crevettes comme ça sur la marmite parce que je vais taper ça. Sur le papier à lui les écrevisses là tu mets comme ça tu mets les crevettes comme ça sur le couvert de la marmite ça chauffe non pour que ça tu mets comme ça voilà le manjanga tu fais comme ça tu mets le manjanga. Vous allez voir la fin de la cuisson. Ok? Bon. Il me faut mettre ça, c'est bon. Voilà. Ça, ça va au congélateur. Hein. Tu fais comme ça. Tu mets comme ça, ok? Quand ça chauffe bien. Parce qu'après, tu vas écraser ça sur le... Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Pose... Attends, rose, rose, flore, fabrique-moi, s'il te plaît. Vous êtes sérieuse, là? Attendez, je vais prendre une bière, pardon. Hé, on m'a attaché dans l'alcool, je ne vous demande pas. Je fais comment pour ne plus boire? Il est 10h, ça me fait déjà 2 bières. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu mourras. Marie, la rose d'eau encore. Ma PDG, c'est toi. Ça va, ma chérie? Je te fais un gros big up, d'accord? T'inquiète pas pour moi, hein. Je vais bien, d'accord? Je vais très bien. Ça va? Tu dors, hein? Il est 10h, elle est au boulot, hein. Maman, je vais prendre une bière. Je fais quoi? Entre l'eau et la bière, tu choisis quoi? Ouais, arrêtez. À mettre au métro pour là-haut. Ouais, ouais, à mettre Fouda, oh, maître, 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 prends ta Guinness, prends ton démarreur, maître Fouda, oh, le king, king anaconda, je me prépare pour toi, le king, a de préparer that's all for you. Maman, ne bois pas que. Maman, les doigts là aiment la faire ce qu'on appelle la Guinness. Merde! Ouais! Je demande. C'est vrai que la Guinness, elle est bonne. Elle est bonne, la Guinness. Ha ha ha.
Ma soeur, les oignons sont où? Au frigo. Maman, vous savez que tout en anglais, non? La reine mère va dire, la reine mère va parler quoi? Ah, les oignons. Je demande que les oignons sont où? Dis-moi, je veux prendre. Laissez-la. Tu l'as? Attends, regarde. Moi, le plantain, si je vais jeter ça, hein? Regarde. Non, ne jette pas, j'aime quand c'est souvent mon conseil. Non, c'est trop bon, ma soeur. J'aime. Ah bon? Mm-hmm. C'est pour ça qu'elle laisse que ça devient comme ça. Regarde, là où il y a la mamite là. Là où il y a la mamite qui est là. Attends un peu. Où faut le tiroir là? Tu vas voir les oignons là. Où ça? Là où tu vois la mamite. La ah, ici là. Oui. D'accord. Le frigo est ici. Ma soeur, le watapou, là, on retire ça hein, du frigo. Je viens de retirer du frigo, non, c'est pas bon. Ah, oh, d'accord. Allez, allez. Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Tu as vu, non? Oui, j'ai vu. S'il y a un truc, je t'appelle, je te demande, hein, si, si quelque chose me dépasse en français, je t'appelle, hein. Attendez, attends, je suis en train d'apprendre aux filles de Facebook si elles se à préparer. Est-ce qu'elles connaissent même d'abord préparer? Si la PD, je ne vous apprends pas comme ça, là. Vous connaissez quoi? Hein? Si elle ne vous apprend pas comme ça, là. Vous allez connaître. Mmh. Comme vous êtes là sur Facebook. Allez préparer, non? Je vous ai pas dit qu'il y a un truc à 20h. Donc, moi, je préfère préparer maintenant. Là, à 20h, je suis libre. Vous avez acheté la connexion. Pour le journal, pour 20h, pour ce qui va se passer à 20h. Vous avez acheté la connexion déjà ou pas? Ah. Maman, mettez-vous sur Wi-Fi. Comme vous aimez le Congo, ça, comme quoi, là. Ça se va baisser, waouh. Tu finis l'oignon, tu laves, ma copine. Comme vous êtes sale comme le, comme les pores de champ. Tu laves ça. C'est trop sale comme les pores de champ. Tu laves l'oignon. Tu ne laves pas parce que c'est sale. Tu laves parce que, ma copine. Tu laves parce que, pour que ça ne pique pas tes yeux. Voilà, je vous apprends à préparer. Quand demain vous allez bien cuisiner, que vos maris vont tomber sans glisser, au lieu de dire merci à la PDG, vous allez plutôt m'insulter. Mmh. Ouais. La cuisine qui gâte mon genre sans des mains. Hein. Parce que quand tu fais un genre sans, tu cuisines comme ça, là, ton genre. Mmh. Genre sans des mains se gâte. Voilà ça, je vous suis en train de vous apprendre, non? Comme vous êtes comme ça, là. Si vous ne trichez pas, pour aller préparer pour acheter le mariage là-bas chez les hommes. Hein? Vous allez finir d'acheter le mariage là-bas chez vos gars. C'est la PDG que vous allez venir insulter. On le dit merci à la reine mère, à votre... à la plus vieille mère de Facebook. J'accepte. Je suis la plus vieille. J'ai refusé d'aller à l'autre. Quand le bonsoir est tombé sans glisser. Ouais, vraiment, vous êtes grave sur Facebook, vraiment. Attendez, je ne veux pas que la mamite me brûle. Là pour vous dire que la chaîne tout ça là ouf ma faux ton frère Chang m'a montré la magie c'est qui comme ça non et les chansons gagnent bien les femmes ne commence pas hein. Les femmes les Chang gardent trop les femmes.
Et les filles chansons bien dans le mariage. Moi, je vous conseille que si vous voulez épouser une fille, demandez qu'elle est de quel village à Tchang. Spécialement les filles de mon village. Ce sont les filles que le mariage... Non, elles aiment le barrette. Les filles de mon village sont les... Elles supportent. Maman, les oignons piquent. Maman, Sarah. Attendez, vous savez que le congélateur là congèle, hein? C'est pas possible, c'est trop congelé là. La personne qui est fatiguée quitte. Vous plaignez que Fleur de Lille l'accepte, c'est pas moi qui achète votre connexion. Je sais. Ouais, la viande là, si nous savons sortir ça depuis, hein. Faut que je mette ça dans une autre marmite. On n'a pas allumé le feu, on fait comment? Excusez-moi, pour allumer le feu, on fait comment? Et... Attendez, tac, j'enlève ça. Je vais mettre ça ici. Bon, pour allumer, on fait comment maintenant? C'est pour allumer, on fait comment? Je voulais allumer front. Attendez. Oft, ça veut dire il faut éteindre. It, ça veut dire que ça chauffe. D'accord? Bon, on va dire que ici, il y a deux foyers. Donc, de ce côté-ci, like, ça veut dire que quoi? À la lumière, non? Like. Like, ça veut dire la lumière. On est d'accord, non? Parce que ma soeur, elle est partie se laver. Je vais pas l'appeler maintenant. Maintenant. Bon, on essaye, hein. Attendez, on va essayer. Parce que là, comme ça, on va voir ce qui chauffe. Bon. Donc, light. Light, ça veut dire que... Light, ça veut dire que allumer. LOL. LO, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? LO, L et O. Ça veut dire que quoi? L-O. Hein? L et O, c'est quoi? L et O, ça veut dire que quoi? Hein? Ah, non, maman, ça a brûlé mes seins. Putain de merde. L-O, ça veut dire que quoi? L-O. Vous ne connaissez pas l'anglais. Vous parlez ou pas? L-O, non? L et O, ça veut dire quoi? Attendez. It. Je sais pas, c'est ça, non? Pourquoi je ne vois pas le feu qui est rouge? It. Hé, hey, maman, je vais faire comment? It, non? It. Ah, L O, ça veut dire doux. Ah, d'accord, ok. Maintenant, alors, si je vais mettre... Ok, je fais comme ça. Neuf, non. D'accord, c'est bon. C'est bon, les fans. Hein? Vous êtes forts, hein. Vous êtes trop forts. Maintenant, quand tes crevettes sont déjà bien secs, tu prends ça, tu mets à la pierre. Tu écrases comme tu écrases ton gars au lit. Mako. Tu écrases comme tu écrases le gars. Tu fais ça. Tu écrases, tu n'as pas la pierre, tu mets sur le papier à lui. Hein. Tu fais ça, tu tapes parce que les crevettes, il y a souvent le Njanga. Tu fais ça, tu tapes ce qu'il y a un peu. Hein. Parce que comme le. Quand tu fais, tu tries les petits trucs comme ça sur le Manjanga. Ok? Tu fais ça. Le Manjanga, tu fais. Parce que ton Manjanga déjà. Tu fais ça. Connaissez le mandanga d'ici là, tu fais ça parce qu'on ne trie même pas, hein. Tu fais, tu tries en même temps, hein. Parce que quand tu fais, tu vois les bâtons toujours, tu fais ça, hein? Ok les filles, mes copines, vous avez compris, non?
comme ça ton manjanga. Parce que comme on vous voit sur Facebook, là, vous ne connaissez pas préparer. Vous aimez seulement qu'un homme, dès qu'un homme vous drague, il vous invite au restaurant, vous courez. Parce que vous n'avez rien à faire, vous courez seulement dans les restaurants. Quand un homme vous drague, j'ai faim. Tu peux pas aller préparer, il mange aussi. Pour les filles là. Quand vous drague, vous avez directement faim. Parce que vous attendez pour que le gars vienne vous. Et même pas honte. Les fausses filles comme ça. Dès qu'un homme vous parle, j'ai faim. J'ai trop faim. Fais ça. Bon, je vous laisse. On se voit quand c'est déjà cuit. Ok, à tout à l'heure. Hein. Apprenez aussi à préparer, les hommes mangent. Arrêtez toujours que quand un homme vous parle, hey, allons au restaurant, tu m'invites quand manger. Vous n'avez pas honte, depuis que vous mangez là, vous n'êtes pas toujours rassasié. Je vais manger. N'importe quoi. C'est comme ça qu'on vous donne un plat de porc à 10 euros. Quand le gars commence à mentir, qu'il vous embinde, vous niez. Vous partez d'abord manger quoi. Comme ça, non, à tout à l'heure, vous me faites signe. Je vous montre quand c'est cuit.